voilà, donc on aimerait avoir vos impressions sur ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti. Bon, comme ça a pu se voir, beaucoup d'émotions, beaucoup de... Ça fait bizarre, c'est impressionnant. Surtout qu'il y a des choses, c'était... Enfin, même, elle n'aurait jamais pu le savoir, quoi. C'est pas possible. Hein. Si c'est pas mon père qui m'aurait dit, c'est pas possible. Enfin, la couleur du smoking là, dans le cercueil, c'est... Elle n'était pas là. Enfin, on n'a pas de photo, hein, logique. Voilà, enfin, ça c'est vraiment ce qui m'a frappée, quoi. Après, c'est vrai que... Parce qu'on garde toujours quand même une part de nous qui nous dit est-ce que c'était vraiment lui ou pas. Et quand elle m'a dit, voilà, il était en beige, la chemise beaucoup plus foncée, enfin, là, ouais, ça confirme. Ça confirme et c'est... je sais pas, franchement, c'est... Il y a pas de mots pour le décrire, en fait. Oui, c'est pareil sur son petit nom. Et ben, il s'appelle Louis, mais on ne l'appelait jamais comme ça. Et c'est la première chose qu'il lui a dit. Bon, je m'appelle Louis, mais on me donnait toujours un surnom. Et c'est vrai qu'on l'appelait Loulou tout le temps. Jamais, enfin... Je crois qu'à part... Et oui, à part sa mère, personne n'appelait Louis, quoi. Et voilà. J'ai pas d'autres mots. Vous en sortez apaisée, rassurée ou... Oui et non. Parce qu'il a dit des choses qui font que je me pose plein de questions maintenant. Maintenant, c'est vrai que j'ai pu avoir cette communication que j'aurais jamais pu avoir. Ça, enfin, c'est hyper privilégié quoi, d'avoir ça. Il y a plein de gens qui auraient aimé être à ma place. Ça, c'est sûr. C'est un beau moment en tous les cas. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci.